Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Enfin. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point la grossesse a été éprouvante pour moi. Donc c'est pourquoi je n'étais pas très présente sur YouTube. Mais alhamdoulilah, tout ça est derrière moi. Maintenant que j'ai mon petit bébé dans les bras, c'est que du bonheur, même si c'est un petit peu aussi difficile. Mais bon, c'est que du bonheur. Alors je suis très heureuse aujourd'hui. Je vais vous proposer une vidéo sur les préparatifs avant l'arrivée de bébé. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, c'est parti. Pour bien anticiper la sortie de la maternité avec bébé, j'ai absolument tout préparé avant l'accouchement, voilà, pour être vraiment sereine et surtout pour gagner du temps au quotidien, pour pouvoir m'occuper tranquillement de mon petit bout. Alors la maison, comme vous le savez, demande beaucoup d'entretien, les tâches ménagères occupent une bonne partie de la journée, donc heureusement que j'ai mon sauveur qui est mon robot aspirateur. Vraiment, il m'aide beaucoup au quotidien et d'ailleurs vous savez à quel point j'aime la qualité de la marque Roborock avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années. Du coup, leur dernière nouveauté sont le Roborock S7 ainsi que la station de vidage qui nous fait gagner plus de temps encore. J'en profite pour vous faire une petite démo avec les spécificités de ces deux produits, voilà, vraiment pour vous montrer la différence. Donc dans un premier temps, je vais commencer par le robot, donc le Roborock S7. Ce modèle a pour particularité d'avoir une fonction serpillière vibrante qui a pour but d'éliminer les poussières, les taches incrustées sur le sol. Et cette serpillière à vibration sonique reconnaître également un tapis grâce à des capteurs qui lui permettent de se soulever lorsque le robot passe sur un tapis. Donc c'est à dire qu'on peut laisser le robot en mode serpillière, il n'y a aucun problème dans une pièce, et s'il doit passer sur un tapis, hop, la serpillière va se surélever et donc ça va lui permettre de nettoyer le tapis sans pour autant l'arroser d'eau. Voilà, autre changement, la brosse à poils a été remplacée par cette nouvelle brosse plus fine entièrement en caoutchouc, ce qui permet d'éviter que les poils ne s'entremêlent. Sinon, on retrouve d'autres fonctionnalités similaires au modèle précédent, comme le système de cartographie à plusieurs étages. Il arrive donc à reconnaître automatiquement les différents étages et également pièces d'une maison. Vous pouvez également personnaliser le nettoyage par zone, ajouter des zones interdites et aussi programmer et définir le temps et la durée d'un nettoyage à distance depuis l'application. Il peut également éviter les chutes grâce au capteur, donc comme vous pouvez le voir là, il y a les escaliers, donc il n'y a aucun problème, donc c'est vraiment super intéressant. Et enfin, surtout, la grande nouveauté Roborock est un accessoire complémentaire et très important qui est la station de vidage. Donc elle se présente comme ça. Elle permet du coup de vider automatiquement le robot une fois de retour à sa base. Et franchement, c'est une tuerie. Donc c'est vraiment la découverte de l'année, on va dire. C'est super pratique. Voilà, c'est vraiment top. J'aime beaucoup cette option. Et maintenant, on passe à la partie aménagement et décoration de la chambre de bébé. Autant vous dire, c'était un petit peu compliqué de finir entièrement la déco, les achats et tout le reste à cause de la fatigue des derniers mois. Et en plus de ça, à la base, je ne comptais l'aménager qu'après la naissance, vu que je comptais faire du cododo pendant plusieurs mois. Mais honnêtement, voilà, c'était plus fort que moi. J'avais tellement, mais tellement hâte et excitée de pouvoir lui créer son petit univers. Alors, en commençant plus tarder par la peinture, on a choisi de mettre deux couleurs de peinture sur ce pan de mur en forme de triangle. Donc, je vous laisse avec les images, c'est beaucoup plus parlant. What it takes
On continue avec l'emplacement de chaque meuble et élément déco, toujours avec l'aide de mon grand. Il est trop gentil, il était tellement, mais tellement heureux de préparer la chambre de son petit frère. Voilà, il m'a aidé, il a tout fait. Franchement, il m'a beaucoup aidé, même quand on a fait les magasins, il a choisi des couleurs, etc. Et c'était vraiment chouette de préparer ça avec lui. Franchement, c'était que du bonheur. Alors juste pour information, la chambre de bébé se trouve dans mon ancien bureau. J'avais d'ailleurs commencé l'aménagement et j'avais aussi fait une vidéo sur le DIY, comment customiser un mur avec des miroirs et tout, celui-là qui est juste derrière moi. Et le résultat était vraiment très joli, mais pas forcément pour une chambre de bébé. Bref, du coup, après hésitation, on a finalement décidé de le laisser tel qu'il est en rajoutant quelques petits stickers que je vais vous montrer après. Que j'ai commandé sur AliExpress dans le thème Safari, et le résultat est vraiment pas mal, vous allez voir ça après. L'arrivée de bébé passe forcément par les achats vêtements, donc j'ai pris quelques tenues, pyjama et body taille 1 mois et le reste 3 mois et 6 mois. D'ailleurs, au bout de 2 semaines et demie, bébé commence à mettre du 3 mois, donc franchement, n'achetez pas trop d'habits taille 1 mois. Alors, une étape essentielle, elle devrait d'ailleurs être automatique pour les vêtements de bébé, mais aussi pour tout le monde d'ailleurs, c'est laver tous les vêtements neufs de bébé. Donc ne faites surtout pas l'impasse sur ce premier lavage. Maintenant, on va pouvoir passer à l'aménagement de la commode. Et pour ça, j'ai simplement réutilisé des rangements que j'avais déjà. Et ensuite, côté produit pour bébé, j'ai opté en grande majorité pour la marque Biolan, qui est une très très bonne marque, et le prix de leurs produits sont corrects. Ils ont un parfum agréable, vraiment j'adore. Bref, j'ai absolument tout commandé sur internet et pour le moment j'en suis très très contente. La trousse de toilette, je l'ai commandée sur Amazon. De toute façon, je vais tout vous détailler en barre d'informations si jamais vous êtes intéressé. Dans le premier tiroir, j'ai décidé d'y mettre les sorties de bain, quelques draps et également les couches. Ensuite, je vais placer ces organisateurs de chez Jiffy dans ce nouveau tiroir que je vais remplir plus tard en fait avec les habits taille 1 mois. Et enfin, pour le dernier tiroir, j'ai placé les habits taille 3 mois et 6 mois. Évidemment, j'ai filmé la vidéo en plusieurs parties parce que j'attendais à chaque fois les commandes, les achats et tout ça. Donc, je faisais ça petit à petit. D'ailleurs, là, c'était une commande que j'avais passée sur Amazon. J'ai pris un plan allongé amovible qui s'adapte très, très bien à la commode. Vraiment, je trouve ça super pratique. J'avais également passé d'autres commandes sur le site Verbaudet et Maison du Monde. Pour finaliser, quelques détails, c'est ce que je vais vous montrer dans cette partie. Sinon, concernant la housse et ces petits rangements, je les ai achetés chez Orchestra. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette collection, vraiment de la très très bonne qualité. Faute de place ailleurs, j'ai décidé de conserver cette jolie étagère dans cette chambre et l'accessoiriser du coup avec différents objets et déco dans l'univers de bébé. Alors la plupart des éléments viennent de chez Maison du Monde parce que je sais pas si vous avez vu, mais cette année par chance ce magasin a une jolie collection dans le thème Safari qui m'a beaucoup beaucoup plu. Je continue la mise en place de mes achats avec le contour de lit. Il est composé de plusieurs petits coussins comme ceci, modulables. Franchement très très sympa, toujours dans le thème Safari.
C'est vrai que ce n'est pas toujours évident et ça reste quand même difficile parfois de savoir ce qui est indispensable pour la chambre de bébé et surtout parce qu'on a envie de conjuguer confort, praticité, sécurité et aussi le côté décoration. Donc il faut bien réfléchir et faire sa liste en fait, faire une liste tout simplement pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Bref, je vous laisse avec le résultat de ma petite déco qui j'espère plaira beaucoup à mon petit bébé. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. En ce qui concerne les poussettes, on a décidé de prendre deux modèles et je vais vous expliquer pourquoi deux. Alors, dans un premier temps, on a pris la Donna qui est une poussette mais qui sert également de siège auto. Elle est super pratique, compacte, très facile et rapide à manipuler. Et comme vous pouvez le voir, elle passe de siège auto à poussette en un clin d'œil. Et c'est vraiment ce qu'on a aimé. En plus de ça, le cosy est vraiment grand. Il est prévu pour accueillir des enfants dès 1 kg 800 g jusqu'à 13 kg. Et enfin, un autre petit plus qui n'est pas négligeable, c'est qu'elle est homologuée Avian, donc je trouve ça très intéressant. Pour information, je l'ai acheté d'occasion étant donné qu'on va l'utiliser que les premiers mois. Celle que je compte garder plus longtemps, plusieurs années, c'est la poussette Twist Check. Elle est également géniale, elle a beaucoup de points positifs et honnêtement elle est tout d'abord robuste, maniable, pratique. On peut en fait l'utiliser en position assise ou allongée, donc on peut l'utiliser dès les premiers mois. Et comme vous pouvez le voir, pliage et dépliage très facile, elle ne prend pas beaucoup de place, vraiment je vous la recommande. Ça y est, le grand départ pour la maternité approche et vous me connaissez maintenant, je fais toujours mes listes pour ne rien oublier. Alors je vais vous montrer d'abord la valise pour bébé. J'ai fait un mélange de la liste de l'hôpital, de ce que j'ai trouvé un petit peu à droite à gauche sur différents sites et surtout des précieux conseils de certaines d'entre vous. Alors tout d'abord j'ai placé une couverture, deux sorties de bain, une jégoutteuse, 6 body et 4 pyjamas et 2 tenues. Deux paires de chaussettes, deux bonnets, 5 bavoirs et 2 langes. Deux draps housse pour le berceau. Une trousse de toilette avec thermomètre de bain et tout ce qui va avec. Après, honnêtement, je ne l'ai pas utilisé à l'hôpital. Bon, c'est un petit peu comme quand je pars en vacances, je préfère en avoir trop que pas assez. Alors voilà ce que j'ai mis aussi pour moi. Alors tout d'abord, les couvre-sièges de toilette jetables, un petit paquet de lingettes désinfectantes et également des petits sacs à couches parfumées, un ensemble de serviettes de toilette, un paquet de serviettes hygiéniques spéciales maternité. Je les ai commandées sur Amazon. Pour bébé, j'ai également mis un paquet de couches de la marque Lotus et bien sûr sa trousse avec tous les produits nécessaires pour l'hygiène de bébé. Je vais tout vous détailler en barre d'informations, ça va être plus simple. Sans oublier bien évidemment un paquet de carrés de coton de chez Lotus. On avait envie de tester cette marque d'ailleurs comme pour les couches. Des lingettes, donc de la marque Biolan. Des slips jetables pour moi. Dans cette petite trousse, j'ai placé le nécessaire pour l'allaitement, donc des coussinets, le baume d'allaitement et tout de la marque Lanzino. Vraiment, c'est une très 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 bonne marque. J'ai fait des découvertes récemment, c'est vraiment une tuerie. J'ajoute bien sûr dans la valise une petite veilleuse et deux tétines. Étant donné que je n'ai plus de place, je vais mettre le reste dans un autre sac. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris 3 pyjamas et chemises de nuit qui s'ouvrent à l'avant pour la tétée, c'est plus pratique. Des chaussons confortable. Dans ce pochon, j'ai mis donc des culottes menstruelles en coton ainsi que des soutiens-gorge d'allaitement. Voilà, c'est basique. J'ai pris également des bas de contention. Ma trousse de toilette ainsi que la trousse de beauté et je vais mettre tout ça dans un sac en fait. Donc j'ai utilisé le sac allongé de chez Twist Check, il est vraiment top, d'une très très bonne qualité avec plusieurs rangements, vraiment super pratique.
je vais maintenant préparer le sac de salle de naissance. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Alors, tout d'abord, un peignoir et un maillot de bain si jamais, en fait, je devais utiliser la baignoire. Une tenue confortable. Dans cette trousse, j'ai mis les affaires de naissance pour bébé avec deux couches et des langes. Une petite serviette pour bébé également, un brumisateur, des masques, un petit paquet de lingettes, un gel désinfectant et enfin un peigne. Je ne sais pas si vous connaissez la technique du peigne en fait pour soulager les contractions. L'idée c'est de serrer fort le peigne dans la main. C'est ce qui va permettre en fait de moins ressentir l'intensité des contractions. C'est une astuce que j'ai découvert par hasard sur Instagram. J'ai également ajouté quelques affaires pour papa et aussi de quoi grignoter et pour calmer la sensation de faim si jamais le travail dure plus longtemps. Donc voilà, parce qu'en général à l'accouchement ça peut être long. Et voilà mes chéris, cette vidéo touche à sa fin. Tout a été prêt pour le jour J, pour le plus beau voyage de notre vie. Ces préparatifs qui rendent tout tellement concret. Et voilà quoi, c'est vrai que je pensais m'y prendre plus tôt. Mais avec une grossesse difficile à gérer au quotidien, je n'ai pas pu partager tout ce que je voulais avec vous. Mais voilà, l'essentiel c'est que je suis de retour et promis. Je vais essayer de me rattraper dès que je pourrai pour vous proposer de belles vidéos. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous.